C'est le jour J aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la peur? N'ayez pas peur et vous avez raison de ne pas avoir peur. Madame la ministre et candidat à l'examen d'État, c'est avec plaisir que je viens lancer ces activités relatives à la grande session de l'examen d'État édition 2022. Je m'estime donc erré de saluer la présence de tous en ces lieux. En ces jours du 18 juillet 2022, sur toute l'étendue du territoire national, s'organisent les épreuves de la grande session certificative. Notre province est fière de constater que ces épreuves se passent en ce moment dans nos trois provinces éducationnelles. En pareille circonstance, je ne peux m'empêcher de rendre mes vibrants hommages à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'éducation des enfants son cheval de bataille et pour sa volonté politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Acclamons le président de la République. Je félicite et j'encourage les enseignants et les parents qui ont consenti des efforts collectifs afin de permettre à nos enfants d'arriver en ce jour décisif qui détermine la préparation de leur meilleur avenir. Chers candidats finalistes, chers enfants, prenez baiser de vous rappeler que la session que vous aurez à passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent, donc les trois jours qui viennent, est un test ordinaire mais très, très sensible qui vous permettra de décocher un diplôme d'État. Vous avez déjà franchi plusieurs étapes de l'examen d'État, dont la dissertation, l'oral des Français et la pratique professionnelle, et nous avons la ferme conviction que vous aviez bien affronté. Il s'observe par moments que devant un examen, certains candidats affichent une attitude de frustration et peut-être de peur. Et pourtant, chaque candidat, les épreuves dont il est question ici ne s'éloignent pas des examens que vous effectuez ordinairement en classe. Vous avez donc rien à craindre, n'ayez pas peur. Seulement prendre et garder la concentration, la vigilance et une attention particulière. On l'a dit, ayez confiance en vous-même. N'ayez donc pas peur car la réussite est certaine. J'ai confiance en vous, chers candidats, et nous demeurons persuadés que vous constituerez l'avenir prometteur de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et pour notre province en particulier. Nous avons toujours brillé, et j'ai confiance en vous qu'à l'issue de ces examens, nous aurons encore une bonne cote. Ayez donc confiance en vous-même. Je vous exhorte donc à la discipline, à la confiance en soi, au travail individuel et surtout, j'ai dit surtout, ne trompez pas dans les antivalères, ne tombez pas dans les antivalères, celles de croire que le voisin fera mieux que vous-même. Pas de tricherie, car je sais que vous êtes bien formé et vous allez faire honneur à votre province de Sud-Kivu. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte ces activités relatives aux épreuves de la grande session de l'examen d'État, édition 2022, dans la province du Sud-Kivu. Bonne chance à tous et à toutes, chers finalistes, que vive la République démocratique du Congo.